Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Exé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur le serveur d'Epicube. Aujourd'hui on va prendre le petit qui trouble là, on se retrouve bien évidemment pour un petit PP swap sur un map duel, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va plutôt bien, hop, on n'a rien eu du kit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, le mec qui dit n'importe quoi. En tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien en ce moment, pas trop de vidéos... Que voilà, pas trop le temps, je vais essayer d'utiliser ça. Au final bon, on va s'en foutre royalement. Hop, également c'est l'une de mes premières parties de la journée, du coup voilà, ce qui explique que j'ai failli mourir, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Aujourd'hui je vous prépare du fun, pas du tout, le mec qui dit n'importe quoi. Non, on a juste vraiment très chaud, avec les trucs là, mais du coup j'aurais peut-être pas dû, mais bon, écoutez, c'est pas mes graves. Hop, du coup aujourd'hui petite game, j'espère faire une game plutôt sympathique, hein, bien évidemment une petite protection, on est heureux. En tout cas voilà, aujourd'hui je tenais également à vous remercier pour quelque chose, car aujourd'hui nous avons hop, on va prendre ça, voilà. Donc pour l'event UHC, je vous parle, donc voilà, hein, bon, pour ceux qui ne voient pas de quelle vidéo je parle, allez voir sur la chaîne, la vidéo est faite du coup pour vous si vous voulez participer bien évidemment, donc ça sera dimanche à 14h. Bref, les infos sont dans la vidéo, je vous invite à aller checker. Donc du coup voilà, donc je tiens à vous remercier donc pour toutes les personnes qui ont participé. Au total on a commencé à compter, donc on pourra faire minimum du 20v20 et donc maximum, enfin maximum entre guillemets, on verra bien si on arrive à remplir toutes ces gaz, mais en tout cas ça sera je pense entre du 20v20 et 25v25, donc ça sera vraiment un gros event. Franchement je pensais être un peu moins, déjà je pensais que si on allait faire du 15v15 ça allait être énorme, donc du coup imaginez vous ça va être juste énorme. En tout cas un grand merci à tous ceux qui ont voulu participer, qui ont posté leur candidature, ça fait juste super plaisir. Également on est bientôt on a dépassé la part des 2800 et un petit moment déjà. Lui par contre il va être trop lourd s'il veut jouer que comme ça, je sais pas trop, d'accord. Wait, quel cercle, il y a un petit lag apparemment, d'accord. Alors cet homme n'a, je ne sais pas, soit cet homme lag de ouf, soit je ne sais pas, là je ne comprends pas, hein. Il faut que je regarde mon lag. Ah ouais, je commence à avoir un petit peu de lag, peut-être que c'est moi, je ne sais pas. Bon, le lag n'est pas encore énorme, donc du coup ça va. Hop, on va prendre ça, voilà, très bien comme ça. Non, plus sérieusement, le ping. Ouais, non, ça va, ça reste correct. Ça reste correct, bon, je bug un petit peu, hein. C'est pas bien grave, je sais pas trop d'où ça vient. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, on a deux flèches, on est plutôt content. Franchement, on a récupéré une petite charpe 2, on est full enchante, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc oui, donc je disais merci à vous, car bah, on va bientôt dépasser la barre des 3000. Donc ça va être juste énorme et il n'y a personne dans ce swap, ce n'est pas grave. Donc voilà, donc la barre des 3000, donc ça va être juste, juste énorme, ça aussi je pense qu'on va faire un grand event. En tout cas merci voilà à vous tous, c'est juste énorme parce que vous nous faites vivre au quotidien tout ça. Également bah, encore une fois merci à toutes les personnes qui suivent les vidéos Minecraft, car c'est vrai il y en a moins qu'avant maintenant. J'ai baissé un petit peu le rythme, on va pas se le cacher, mais voilà, c'est parce que bah, j'ai pas forcément le temps, j'essaye de préparer d'autres trucs, des nouveautés, tout ça, donc qui plaisent ou qui ne plaisent pas, je ne sais pas, hein, voilà. En tout cas moi j'adore en tout cas voilà le passage en ce moment, ce que je fais donc sur la chaîne. Donc voilà, donc c'est ce qui compte en première partie, hein, ce que j'aime, ce que je fais. Et également bah, un grand merci à vous car voilà, vous êtes toujours là après je ne sais pas moi 15 épisodes peut-être du HC, 15 épisodes du HRun, 15 PP swap, enfin bref c'est toujours ça fait toujours plaisir. En tout cas un grand merci à vous. Je sais que voilà les PP swap ça vous plaît, mais voilà merci à vous bah, qui suivez au quotidiennement, pas du tout. Comme ressource pack j'en ai pas parlé, j'ai le Matox Rat Pack, c'est un pack de texture que j'aime bien, il est sans lag, du coup c'est plutôt pas trop mal. On réapparaît encore dans ce spawn, d'accord, on a quelqu'un là-bas. Alors là on va essayer de faire gaffe, hop, on va utiliser directement ceci et on l'a un peu combo, du coup c'est plutôt cool, d'accord,
J'ai eu peur de pas pouvoir mettre le dernier coup. On va dire un petit GG. Franchement, ce combat était chaud. Ce combat était un peu chaud. Un petit protection 2, ça fait toujours plaisir. Un petit protection 2, ça fait plaisir également. Voilà, voilà. Une charge. D'accord, on aurait donc il avait une knockback. Plutôt intéressant, franchement, le knockback sur cette map. Ça dépend sur quoi vous tombez. Mais moi, je trouve ça assez intéressant. Notamment pour la dernière map, ça peut être assez intéressant. Et bien, du coup, on est donc contre le skin de Beastlead. Donc, good luck. Écoutez, ma foi, hop, on va ouvrir cette petite porte. On a 3 levels. On pourrait prendre un petit power 2, ça pourrait être pas trop mal. Et puis après, pourquoi pas mettre un petit protection 1 sur le casque, notamment un protection 2, excusez-moi. Écoutez, en tout cas, ça aurait été une game plutôt pas mal. Donc voilà pour la première game de la journée, bien évidemment. En tout cas, voilà, un grand merci encore une fois, hein, comme je vous le dis. Vraiment, voilà, je sais pas trop comment vous remercier, mais c'est juste énorme. Et donc voilà. Hop, échauffement de la voix, ça fait plaisir. Non, j'ai un peu mal à la gorge également souvent, mais c'est pas bien grave, c'est le début de l'hiver. Également les vacances pour moi, donc voilà, donc je sais même pas si j'en ai parlé. On parle un peu de tout et n'importe quoi, ça se trouve j'ai déjà dit, hein, voilà, donc les vacances, donc je compte, on va dire, baisser un petit peu le rythme peut-être des vidéos. Pour profiter un petit peu de la live, il y aura toujours des rediffs au cas où, si vous ne pouvez pas être là, mais je crois que je l'ai déjà dit, donc on va s'en ficher un peu. Mais voilà, en tout cas, bon, ça changera rien pour vous, ne vous inquiétez pas. Hop, on va prendre ça, on va le fusionner en P2. Très bien, et ça, on va dire que c'est un malus, même si, ouais, c'est sympa des fois. Hop, du coup, on va commencer vers le côté du tronc d'arbre, engager le combat. D'accord, il s'est pris une flèche. Je sais pas combien de vie ça lui a enlevé. Il faudra faire gaffe à pas trop lui donner une flèche. On l'a double hit. Hop, le combat, bien évidemment, de Robin des Bois. Pour l'instant, ça c'est plutôt pas trop mal. On va essayer d'engager le combat à l'épée. Ouais, à mon avis, là, c'est le bon moment. Yes, on va l'achever. GG. Ouais, on lui a mis vraiment cher à l'arc. Bon, j'aurais pu finir avant, mais on s'en fiche, c'est pas bien grave. Et bah écoutez, en tout cas, une belle petite game. Hein. Bon, on a des petites flèches là, on sait pas trop pourquoi. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà. Et bah écoutez, un grand merci à vous. Donc oui, pour les personnes qui voulaient savoir donc les bagues de texture, donc celui-là, vous allez sur la vidéo de Matox. Donc voilà, donc sur la chaîne de Matox, hein, pour ceux qui connaissent pas, je pense que vous connaissez, hein, dans la plus grande partie. Donc voilà, donc c'est un pack assez sympa, franchement, je le recommande. Il est plutôt cool par rapport à l'autre. Vraiment, je préfère celui-là. Bon, il faut faire gaffe parce qu'en grotte, il est vraiment assez clair. Du coup, on y achète, ça peut nous porter préjudice parce qu'on pense pas à éclairer. En tout cas, voilà, un grand merci à vous pour cette vidéo. Également, oui, donc pour tous les autres packs de textures, donc je compte présenter donc le bulky pack, le ruby par exemple, le ultimate défaut, tout ça de ça, le matox, on va dire que j'ai un peu edit. Donc je compte faire une vidéo donc pour vous présenter 5 packs de textures. En tout cas, voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà, et puis bah, du coup, à très bientôt et à dimanche. Voilà, pour les personnes qui participent du coup à l'UHC, ça va être super sympa. En tout cas, merci à vous. Et puis, bah, du coup, bye tout le monde.